Bonsoir, bonjour, ça dépend de qui zone qui va regarder nous et dans des noms. Nous content pour nous retrouver à l'espace des sports réels. La Toile de Prince, c'est notre Print TV, notre travail Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram. Nous content pour nous retrouver dans l'espace là, les mêmes, qui est sports réels. Print qui va dominer l'espace là, nous parlons là pour nous. Ça y est, qu'on s'en au sort pour dernière phase, Coupe du Monde 2023, qui parle pour fête dans le pays Australie et Nouvelle-Zélande, côté Haïti lui-même, qui fait partie des groupes A lui-même, qui vient là-dedans, les États-Unis, Mexique et la Jamaïque. Au cours de l'espace-là, nous allons gagner pour nous faire le prêt. Et puis donc, à l'étranger, mesdames et messieurs, nous allons gagner pour nous championnat. Et au PO, si tout non pays l'Angleterre lui-même, une grosse bataille entre équipe Manchester City et Liverpool et championnat ça lui-même, mais côté nous gagnons Manchester City lui-même qui ont grand prêt par rapport à équipe Liverpool là, n'a rien pour nous faire le point. Puis donc n'a pas aller dans pays l'Espagne, si tout équipe Real Madrid là lui-même qui pas loin pour capable arriver remporter championnat à cela. Et nous avons fait un peu dans le pays de l'Italie, dans le pays de la France, Paris Saint-Germain lui-même, qui est presque champion tout, même quand il y a lui-même, dans le pays de l'Allemagne. Mesdames et messieurs, nous avons fait notamment de la NBA, puis ce playoff est capable d'avancer à grand pas. Et c'est une équipe, Florida Success lui-même, et qui est lui-même, qui a comporté. Et très bien, mesdames et messieurs, dans ça, il concerne. Et playoff, et puis donc, nous avons parlé de l'équipe Miami Heat. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ça. Avec un pilote encore qui va le faire essentiel, émission pour avoir les mêmes, qui c'est sport réel. Ou même qui a suivi nous de quoi vous donner, nous sommes capables de partager la vidéo, nous sommes capables d'inviter des amis, des fatigues pour suivre l'émission. Et puis c'est émission pour nous, émission que nous apprécions là les mêmes, qui c'est sport réel. Et na premier salé Marielle Joseph lui-même qui va bien connecté avec nous et nous saluons Marielle et surtout na premier salé notamment Sergeline Desis lui-même ça fait longtemps Sergeline et qui belle et bien connecté avec nous mesdames et messieurs nous faisons posant à propos on a bien pour retourner pour les détails à l'espace de sport réel après tout de suite mesdames et messieurs pour les détails dans l'espace c'est là. Assurance santé, nous mettez santé à numéro 1. Tout au cours de la vie, nous là pour nous servir. Vous avez assurance santé, assurance vie, taxes, une seule compagnie. Dans la PDO, apprenez votre bon assurance santé dans vos compagnies comme vous, Embedder, Oscar, Act, Bright Health. Côté Coucar, docteur, gratis. Côté que n'importe qui soit sans aucun besoin ou capable de le gratis. Bon prix, un seul numéro pour servir 954-909-5123, 954-909-5123, Macron, c'est compagnie pas.
TapTapNow is a mobile app that allows users to locate Haitian restaurants anywhere in the world. Quel que soit côté où il y a dans le monde, si vous cherchez un restaurant haïtien, montez sur TapTapNow. Que vous soyez à Paris, London, Ish, Jacmel, Hawaii, Toronto, Guadeloupe, Chile, Atlanta, Saint-Louis-du-Nord, nous là pour. For the restaurants in the U.S. and Canada, we offer a takeout option. Please contact us for more details. For Haitian food anywhere in the world, don't forget to tap, tap now. Mesdames et messieurs, nous, de retour à reposant, Pablo va suivre l'émission pour les mêmes qui c'est sport réel, 3.5 sur Print TV, nous à travers Facebook, YouTube, Twitter et Instagram et Telegram, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là, les mêmes qui c'est sport réel, dans la salle de tous les amis. Toutefois, tu as suivi nous, de près ou de loin, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là. La première salle est aux Versailles du Bel depuis Orlando et à Alice Woody et DJ Hippo, nous saluons mon ami, et Vince Dorian et Côte-Moise Élysée, et puis donc depuis dans la pays d'Haïti de même, donc DJ Greg, Sylvie Lugens, Chenna, Augustin Fondi et toutes les amis, toutes les fatigues qui vraiment qui suivent nous un peu partout, nous retenons pour nous retrouver dans l'espace là de même, et qui c'est sport réel, malgré nous pas à 100%, mais à quelque sorte nous présents. Pour nous être capables de servir vous. Mesdames et messieurs, nous avons là et tirer au sort pour ça concerner la dernière phase pour Coupe du Monde 2023 qui va aller pour fête dans le pays Nouvelle-Zélande et Australie. Côté tirer au sort, ça lui-même qui est donc arrivé faire. Et surtout, nous avons Haïti lui-même qui retrouve les dans le groupe A lui-même, un groupe A lui-même qui est prêt. Vraiment compliqué pour la sélection haïtienne de football, groupe A, qui vient là-dedans, Haïti, les États-Unis, Mexique et la Jamaïque. C'est une phase qui va gagner pour faire face à l'Allemagne, qui va gagner pour faire dans le pays Mexique, sorti 4 juillet pour arriver
et 18 juillet qui a venu là et Haïti lui-même qui parle retrouver et les États-Unis, Mexique et surtout Mexique qui est dans en première phase dans tout, mais les États-Unis même et qui c'est numéro 1 mondial là, qui c'est champion du monde en titre lui-même qui parle bien là pour rencontrer avec un pays d'Haïti lui-même, c'est pas une phase vraiment là qui parle bien là et qui parle facile pour Haïti puisque l'arrivée et on va rencontrer les États-Unis, Mexique et Jamaïque et Haïti lui-même parle bien fois à faire. Vous dites nous saluons, vous dites et vous dites je fois nous saluons depuis le pays d'Haïti. Normalement les amis continuent pas d'aller vidéo et monde qui pas d'aller plus là lui-même n'en fait émission lui-même la bien recherche sur téléphone. Oui, j'ai gagné de là et c'est pas une phase qui peut aller est facile du tout pour le pays d'Haïti lui-même. Surtout nous gagnons les États-Unis, Mexique et Jamaïque. Vraiment là, et nous connaissons que en Haïti lui-même, foot féminin n'a pas joué, mais nous gagnons mes dames lui-même qui a joué à l'extérieur et précisément en pile qui a joué dans le pays de la France. Surtout nous gagnons Melchida et Dimoné. Néglia Mondesi, Kedna Lui, et puis donc Guillaume Rosine Eloisser, Charlie Jedi, et Guillaume La Roselon lui-même, et surtout Batiba, et mesdames et messieurs qui ont joué dans le pays de la France. Et Antenna lui-même parle bien fort à faire, mesdames et messieurs, avec groupe que l'Ibala, côté là. Nous-mêmes qui avons 6 mois de près ou de loin, donc on va pas être point de vue par nous. Qui ça que nous pensait de tirer au sens à lui-même, Haïti lui-même, qui tombait, et non pour à ça lui-même, qui vient les États-Unis, Mexique, Jamaïque. Et m'a ouvert les notes très tôt, et pour nous prendre un point de vue, pardon, nous sommes capables de dire qui ça que nous pensait de groupe ça, et puis donc l'autre groupe là lui-même, et l'autre groupe lui-même, qui vient là-dedans, Canada, Costa Rica, Panama, Trinidad et Tobago. Pour Canada lui-même, Canada lui-même qui s'est qui souhaite gagner le jeu olympique là, qui devait appeler lui-même, c'est Canada lui-même qui est sacré champion. Et on gagne Costa Rica, Panama, Trinidad et Tobago. Nous même qui a fait de preuve de loin, nous avons pas point de vie par nous. Nous avons dit que nous pensons de tirer sur ça lui-même pour le pays d'Haïti. Et depuis Haïti fait match nul avec les États-Unis. Ça fait un commentaire de Insightis 2020. Et monsieur dit que depuis Haïti fait match nul avec USA, Haïti a gagné. Pas oublier ces deux équipes et pas pour qui a pu jouer une qualification directe. Et nous-mêmes qui avons six mois de preuve de l'un, nous avons pas point de vie par nous. Nous avons dit qui ça que nous pensons de Goussa et si tout nous gagne Insightis. Les mêmes qui déjà, bah, nos points de vue parlés, il faut connaître que Haïti lui-même, depuis le fin matin avec les États-Unis, Haïti a gagné. Et bon, et au Mexique, qui n'a pas été là. Bon, nous avons optimiste le SAI qui dit que nous avons qualifié quand même. En tant qu'Haïtien, nous tout a besoin de Haïti qualifié. Mais est-ce que nous n'avons pas de point de vue par nous, pas plus de détails, comment? Qui ça fait ou dit que Haïti lui-même a qualifié quand même? Optimiste de ça. Il faut que nous plus précis. Certes, Haïti a qualifié, c'est vrai. Mais pas oublier beaucoup d'acquis 954, 903, 922. Vous êtes capable de composer dans le numéro ça, oui, là. Et puis donc, on a bien content pour nous faire parler avec vous. Vous êtes capable de point de vue par vous. Qui ça que vous pensez de tirer sur ça? Côté, nous avons Haïti lui-même qui pourra gagner là pour jouer avec les États-Unis, Mexique et la Jamaïque. Nous sommes prêts pour nous prendre un point de vue par nous et nous capables de composer 954-903-0922 ou bien nous sommes capables de briller sur WhatsApp dans 954-822-6751. Nous sommes capables de point de vue par nous. Nous qui ça que vous pensez de tirer sur ça lui-même qui est donc à fait. Et mesdames et messieurs, côté nous gagnons Haïti lui-même qui n'en bataille à partir de 4 juillet qui a venu là face à lui-même qui a pu faire dans le pays
dans le pays Mexique, dans la Monterrey, et Haïti, par une fausse affaire, mesdames et messieurs. Et donc, on est que le groupe ça, qui a joué longtemps, et surtout, mesdames, ça a eu un jeu d'ensemble. Et nous avons des joueurs qui ont joué dans le pays des États-Unis aussi. Et il y a plus de joueurs qui ont joué dans le pays de la France. Et en tous les cas, nous prenons le temps. Et pour nous connaître vraiment, et est-ce que Haïti lui-même vraiment la balle arrivée, j'ai une qualification là. Et bon, pas oublier ces deux équipes, et pas groupe lui-même qui a qualifié direct, et puis donc pas le certain de barrage, avec mes troisième là, et pas le concert de barrage intercontinental, et nous, après, de bon temps, mais nous souhaitons que Haïti lui-même capable de faire et capable d'entrer dans la compétition d'emblée, mais la première rencontre Haïti a bien bougé, c'est avec les États-Unis. Et la première rencontre Haïti a bien bougé, c'est avec les États-Unis. Et nous gagnons là, Othniel Moïse, nous saluons Othniel Moïse depuis Miami. Othniel Moïse a fait panneau, nous saluons et à Taekwondo, nous saluons Othniel Moïse. Mais nous avons là Delepine qui s'est entraîné sélection lui-même, mais qui était donc réagi après tirant sur ça. Nous parlons et c'est voilà, c'est capable de faire suivre réaction et Delepine lui-même, vraiment, qui était donc réagi après tirant sur ça lui-même, c'est à l'effet. N'a pas rappelé que Haïti lui-même, vraiment, à partir de. À partir de 4, Haïti lui-même a entré dans la bataille. Bon, et nous parlons de gain là, et pour une fois suivre, notamment, coach Nicolas Delepine lui-même, qui a réagi après que Thierry Social a été allé faire là. Et nous parlons permettre de suivre en quelques secondes, Delepine lui-même, qui a réagi, mesdames et messieurs. Après tirage au social lui-même, entre temps, bon, nous avons un insight dit que depuis gardien noir, qui aime tout boulot, n'a pas qualifié. Nous avons un talent, un texte insight là, il s'est dit que depuis gardien noir, qui aime tout boulot, n'a pas qualifié. Nous avons un talent souterrain. Gardien noir, juste supposé entrer pirate dans le jeu là. Mais pas oublier, pourquoi un bon gardien tout, il faut que l'une des façons tout lui réponde. Donc, nous ne pouvons pas garder toute la responsabilité, et puis donc, l'autre monde qui vient pour faire travail par eux, il faut qu'il fasse travail par eux. Et puis donc, les ça, nous va espérer que le gardien lui-même capable de faire job pas. Mais tout chaïla lui-même, il pas. Et tout ça là lui-même, il pas notamment sous gagnant. Nous allons permettre de suivre Delepine lui-même qui était donc réagi après et réaction Delepine après tirage au Sosa. Mesdames et messieurs, nous allons permettre de suivre Delepine lui-même qui a réagi, mesdames et messieurs. Oui, ben, il y a un tirage difficile, puisque sur le papier, on a dans notre groupe les meilleures équipes. Voilà, on a pris l'équipe les mieux classées au rang FIFA dans chacun des pots. Voilà, en étant dans le quatrième pot, on s'attendait un peu à ce tirage. Donc voilà, on sait que c'est des compétitions très compliquées avec des adversaires qui sont quand même d'un niveau très élevé. Donc on s'attendait à devoir faire des exploits et on est prêt pour ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport au tirage. Concernant les adversaires, effectivement, les USA sont les numéro 1 mondial, donc
donc une référence dans le foot féminin. On aura aussi le Mexique qui sera à domicile. Donc avec sûrement une ferveur populaire derrière, puisqu'on a vu que sur les matchs de qualification, il était déjà très suivi par le public. Donc on s'attend à un match très excitant face au Mexique. Et puis enfin la Jamaïque qui a eu la chance de connaître le dernier mondial avec une joueuse phare et emblématique qui joue en Europe à Manchester City et qui était une des meilleures joueuses de cette phase de qualification. Donc voilà, trois beaux adversaires, trois beaux matchs en perspective. Je crois que là, on n'a pas hésité. Chaque match sera un défi colossal pour nous. Mais on est content. Voilà, on est content d'avoir ce groupe puisqu'on voulait faire un exploit pour la Coupe du Monde. Et bien maintenant, on est face à ça et on est vraiment très impatients de jouer ces matchs parce que ça sera des matchs de très haut niveau avec une intensité énorme. Et je crois que Haïti a déjà fait des exploits par le passé avec ses U20 contre certains de ses mêmes adversaires pour aller à la Coupe du Monde. Donc on voudra tout simplement réécrire l'histoire en senior avec beaucoup d'ambition. Concernant la prépa, on est sur un stage de deux semaines, un petit peu plus de deux semaines avant cette compétition. Voilà, c'est en train de se mettre en place tranquillement pour planifier ça au mieux avec, on l'espère, un ou deux matchs amicaux qui nous permettront d'être dans les meilleures conditions possibles parce qu'on sait qu'il faudra être prêt dès la première minute de cette compétition. Voilà, il n'y aura pas de match à... Il n'y aura pas de match plus simple, il n'y aura pas de match moins intense. Donc il faut une grosse préparation de deux semaines. On montera tranquillement en puissance et on permettra aux joueuses d'être prêtes à relever les défis, prêtes à jouer trois matchs avec un enchaînement tous les deux jours, comme la compétition le demande. Ça sera une préparation qui sera vraiment clé pour aller chercher des résultats lors de ce tour final au Mexique. Si Sport Réel lui-même qui a fait un petit bonhomme de chemin. Concernant les objectifs, ils sont assez clairs. C'est d'être en demi-finale, puisque on sait que les demi-finales, c'est un ticket direct pour la Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas d'autre objectif. On est très ambitieux. Je crois que certains ont peur un petit peu du tirage. Peut faire peur, en tout cas, aux observateurs ou aux supporters, mais nous, on n'a pas peur du tout. On se dit au contraire que la Jamaïque, le Mexique, peut-être un petit peu moins les États-Unis, forcément, ne sont pas contents d'avoir Haïti dans leur poule et craignent Haïti. Et je pense que c'est le message que je vais envoyer à tout le monde. Nous, on n'a peur de personne. On veut voir la vérité du terrain après 90 minutes et on veut être là pour créer la surprise. Donc on a beaucoup d'ambition, on a peur de rien, on a peur de personne et on veut créer ces exploits-là. Voilà. On est la plus petite nation au départ de cette compétition et on veut montrer qu'on vaut mieux que notre rang attribué à la FIFA. Voilà. Et on espère le montrer à tout le monde. Voilà, dans cette phase d'analyse un petit peu et de préparation et on a hâte déjà de se retrouver pour relever ces nouveaux défis. Mesdames et messieurs, connaissons cette archive, coach Nicolas Delepine, qui s'est sélectionné de la sélection haïtienne de football. Lui-même, qui a réagi après tirer sur ça lui-même, et lui-même, il fait connaître qu'il est très confiant côté Haïti lui-même à arriver et qualifier pour Coupe du Monde ça, et préparation lui-même. Et il y a une préparation de deux semaines, il y a bien quelques matchs amicaux, il y a bien pour jouer avant qu'il puisse rentrer dans la compétition là, et il fait connaître que Babou Zempé, vraiment là, il est très confiant. Et Haïti lui-même qui fait des miracles avec sélection de moins de 20 ans. Et si tout nous songeait que sélection de moins de 20 ans, ça, il a même été mis au Canada d'ailleurs. Mais nous avons des joueurs vraiment là qui a évolué et dans le pays de la France, en ligne d'attaque, lui-même, vraiment intéressant. Si tout le monde a joué là,
vraiment là, c'est un jeu vraiment là qui peut être allé et qui peut être plus et pour la sélection haïtienne de football et l'Oguien là et Léa Mondévi et surtout Messi Daddy Monet, Ketna Lune, Baté Baloui et nous avons des jeux qui ont joué un bon petit bout de temps, longtemps et bon, nous souhaitons que les préparations soient capables de faire. Et les préparations faites, nous croyons que l'équipe là est vraiment capable et prêt, mesdames et messieurs, pour une compétition. Et vraiment, et Haïti lui-même, vraiment là, qui tombe dans le groupe A. Et nous avons pu aller à Saint-Célo, Pierre de Bichili lui-même, qui est belle et bien connecté avec nous. Et nous avons là, Dossou Serge, depuis Boston, qui est belle et bien connecté. Et nous avons pu aller à Watney Prophète. Et Tata Jean depuis Nassau Bahamas, Tata Jean qui t'a perdu pour aller nous souhaiter condoléances et bon courage et bon établissement. Bon, et nous parlons là dans la cour Argentine pour nous retrouver notamment Dr. Abner Loguissin. Dr. Abner Loguissin, comment est-ce que tu as commencé à dire? Déjà, téléspectateurs, Saint-Louis-Dinon TV. Nos amis depuis République Dominicaine, États-Unis d'Amérique, Canada, nos amis Amérique du Sud, Chili, Brésil, Équateur, passant par Bolivie, Venezuela, nos amis du Cap Haïtien, Haïti en général, un gros bonsoir et un gros bonjour, ça dépend côté ou attendez nous en direct depuis Buenos Aires, capitale Argentine, sur Saint-Louis-du-Nord TV. Donc, nous comptons pour nous retrouver dans l'espace là. Côté, nous avons parlé notamment de tirages au sort qui fait côté Haïti lui-même et qui fait partie de groupe A lui-même en compagnie de les États-Unis et le Mexique, la Jamaïque. Et nous avons attendu coach Nicolas Delépine qui s'est sélectionné de la sélection haïtienne de football. Et lui-même, il fait connaître que nous avons besoin de paniquer, nous mettre confiants. Et vraiment là, Haïti lui-même a avancé. Et l'objectif là, lui-même, c'est arriver qualifié pour les demi-finales. Docteur Abner Augustin. Exactement. Je pense que pour Haïti retrouver là, son pool qui attire attention en pile monde, surtout monde qui aime le football, monde qui a regardé le football, et puis même si pas aime le football tout, depuis c'est Haïti qui aime, je pense que pour gagner 100 football dans 100 ans, je pense que tout est sélection. Sélection nous, yo toujours attirer attention. Tout Haïti n'importe quoi, tout yé. Et qui tourne tout ça encore, qui tourne mes sports, qui c'est basketball, volleyball, et natation, n'importe sport, mais depuis que c'est sélection au calvoué, dans n'importe discipline, pensez que vous supposez attendre, vous supposez qu'on attention très soutenue avec lui-même. Eh bien, tirage au soir fait, Haïti n'a en poule qui, d'après un pile monde qui c'est non poule, comme on dit, c'est son poule rouge pour nous-mêmes. Groupe de la main, docteur, groupe de la main. Exactement, il y a un groupe de l'amour pour nous-mêmes parce que là, on est que ça nous a représenté et il faut faire tout comme on joue en parlant des États-Unis d'Amérique ou du Mexique ou du Jamaïque. Et puis, troisième adversaire, nous croyons que DJ Boutis. Mexique, Jamaïque, les États-Unis. Mexique. Les États-Unis, je pense que les nous fait logique là et on va regarder les choses nous, yo, nous sommes capables de dire, nous pas paix pour nous, nous pas d'accord supposer paix pour nous, mais les nous tenons compte tout des préparations, nous, ça nous gagne en main, nous, donc ça est capable de faire nous gagner inquiétude, mais par rapport aux gens noirs, les nous fait analyse face à face nous avec Mexique, avec États-Unis, avec Jamaïque. Je pense que dans la catégorie ça, dans la catégorie féminine, je pense que nous pas supposé, nous pas qu'à trop faire mon travail. Haïti a toujours trouvé un billet, a toujours rangé mallette li pour qualification pour mondial. Donc, ça a nous besoin, nous pas besoin. Bon, et pas dernier jour là pour nous préparer, nous déjà connaît que nous pas gain en pile moyen mais nous en pile opportunité pour nous jouer des matchs amicaux etc., des Brutus. Oui, et Anthony lui-même en parlant de Nicolas Delépine, il fait connaître qu'il y a pendant certaines deux semaines de
et préparation, il y a pas ensemble, mais puis qu'on préparer là avant qu'il y ait entré dans compétition libre. Ma carte est une bonne nouvelle puisque le championnat là a déjà bout et depuis la première semaine de juin et de terminer l'année. Donc, je pense que pas seulement pour le football féminin hein, et le championnat, pas oublier que mondial, tout mondial, le bref qui c'est mondial U17, mondial U20, mondial senior qui pourra le mondial senior qui pourra jouer et qui pourra le commencer 21 novembre qui pourra venir là, qui dans toute catégorie. Et catégorie féminine pour masculine, catégorie U20 pour senior, on pensait que et ça fait championnat là, quitte c'est Ligue des Champions, capable de dire Ligue des Champions, pas loin pour le fini, Calcio pas loin pour le fini, et Première Ligue là pas loin pour le fini, Santander pas loin pour le fini, toute compétition, toute catégorie a couru là parce que il faut que libérer les joueurs pour capable rentrer, pour capable rejoindre les pays pour préparer et pour préparer le mondial de Djibouti. Effectivement, bon, en tout cas là, Haïti n'a pas fort à faire là. Et dans le premier match lui-même, on va pas rencontrer avec l'équipe qui est champion du monde en titre. Et numéro 1 mondial, c'est vraiment mes affaires. Et puis donc, deuxième match. Il n'y a pas de problème avec le Mexique, Haïti lui-même, Padoué à l'erreur. Et puis, notre adversaire lui-même, c'est la Jamaïque. Et nous connaissons que, même si que nous connaissons que le niveau championnat de France n'est pas tellement ou en pile, mais at least, mesdames, il y a joué. Et surtout, la sélection, ça lui-même, il y a joué depuis. Il y a fait passer tout le parcours ensemble, mais docteur Abner Logis. Non, pour catégorie ça, et puis je nous gagne dans catégorie ça, et c'est vrai que en France, et pas si tellement un gros championnat, mais au plus, ouais, en France, pas si tellement un gros championnat, non, côté messieurs, c'est-à-dire, non, pour côté messieurs, et Paris Saint-Germain, et Lille, et Marseille, etc., etc., mais au niveau féminin, et football féminin en France, là, on compare là avec football anglais, football italien et en partant du football espagnol là, on met là et second jeune et on joue cap jouer en France et dans catégorie ça les baguions, ils ont pas considéré le commun, ils ont parti trop bas en championnat féminin en France, non, lui fait bras, il considère le gain pour passer en pile championnat qu'a joué et dans 5 majeurs et en Europe. Donc, et mesdames, il y a en France et il y a bien marché. Et puis, mesdames, ça y est, en parlant de Nérivia, etc., etc., je pense que, mesdames, on attend. Nous avons pour tout le monde mettre des drapeaux et porter des drapeaux nous, même si on n'est pas présent, même si on est là, même si on est logo en bas par la fédération haïtienne, parce que faut que nous l'avions côté, nous avons battu bravo pour nous, nous avons applaudi, il faut que nous fassions et nous pensions pour nous encourager. Et il n'est pas trop tard parce que le football, là, c'est 90 minutes qui peuvent arriver là-dedans. Entraîneur a fait des classes, on entend vraiment, mais on connaît en thème. des spécialistes en termes et professionnels, les papas le font n'importe déclaration parce que c'est faut pas qu'à mettre au début d'un parole pour mettre au père ou père sélection. Mais ce football là, nous pour jouer à Haïti, gain zam pour jouer face à États-Unis, il gain zam pour jouer face à il gain monde pour jouer face à Mexique. Et je pense que Jamaïque, s'il gain c'est quoi, si Jamaïque plastique à Palamba, mais la sélection haïtienne n'a pas tenu une qualification dans le mais qualification pas pour le faire dans le bout, c'est souterrain avec des bonnes préparations de Djibouti. Effectivement, et puis dans le cas, si nous parlons de sélection, mesdames, il y a tout sélection et bon côté de moins de 17 ans là, et Haïti lui-même qui est en confrontation. En République dominicaine, depuis environ 2 semaines, côté Haïti, les mêmes étaient là pour l'Ouest, c'est capable d'avoir un billet pour Coupe du Monde de moins de 17 ans, ça, les mêmes qui parlent pour fête dans le pays Inde, sorti 11 pour arriver 30 octobre 2021, et sélection, ça, les mêmes qui a dirigé par le coach Harold Edmar, et que ça, les mêmes qui parlent là pour jouer dans
Et compétition ça les mêmes qui parlent pour venir là et deux samedi qui a venu là Haïti les mêmes et deux samedi qui a 23 Haïti a entré dans bataille et côté Haïti les mêmes a bien pour jouer il a bien pour jouer avec Kiba le 24 il a bien pour jouer avec El Salvador et puis m'a dit qu'il a 26 et avant pour terminer en phase de groupe là il a bien pour jouer surtout avec équipe Guatemala. Et Haïti lui-même, vraiment là, sous Team Mesdames des moins de 17 ans, il y a deux semaines depuis Yonan, la Cour République Dominicaine. Et Haïti lui-même, qui vient pour jouer avec Kiba. Et dimanche 24, on va aller pour jouer à 7 pm dans l'Estadio Panamericano. Ça y est, langue docteur. Je dis à des bien que moi, mais même fait, il faut en pile. Et puis donc, mardi 26, nous avons. Et Haïti a rencontré avec El Salvador. Donc, on s'est allé jouer dans le même côté à la, dans l'Estadio Panamericano, hein, à 7. Et puis, dans le cas, troisième match là, même, et jeudi 28, Haïti a bien joué avec Guatemala à partir de 4 p.m. dans l'Estadio Olympico Félix Sanchez. Docteur Abner Logicien, sélection de moins de 17 ans, beaucoup de mesdames. Il y a deux semaines là, il y en a la Cour République Dominicaine. Il y a préparé là, le terminer le guichet. Bon, et déjà, Wittis, je pensais que, je vais dire ça, et faut qu'on parle de tout, je pensais que, et préparation et sélection, quitte ces seniors ou bien, et quitte ces catégories, nommées dans nos catégories féminines ou masculines. Il s'est privé sélectionné senior ou bien il disait nous pensait que toute préparation nous obligeait à le faire en République dominicaine à cause des conjonctures politiques pays d'Haïti et il y a une raison tout qui faut ouais qu'on carte FIFA et toute sélection vient jouer en République dominicaine parce que Haïti puisque économiquement pour nous voyager c'est un casquette chinois capable même au niveau et club comme cavalité que pour taler en compétition problème économique problème visa patati patata et de même tout pour sélection tout est obligé de faire toute équipe yo qui c'est États-Unis Canada Mexique après toute compétition que Haïti t'a supposé déplacer pour le brave yo est obligé porter la République Dominicaine faire République Dominicaine faire comme là parce que faut que vous payez stade quand on veut y a pour République Dominicaine non et jouer cap descendre hôtel République Dominicaine faire comme là faut jouer au pays. Je pense que la République dominicaine faut bon rentrer à cause des conjonctures, problèmes politiques en Haïti. Et tout capable, toute préparation que pour nous faire, faut que c'est la République dominicaine pour nous faire. Tandis que nous avons Cap Haïtien, nous avons Sema, nous avons Gonaïve, nous avons Kaye, nous avons Port-au-Prince, tout côté bloqué, et nous obligeons la République dominicaine, c'est là, nous obligeons de faire, nous obligeons de mettre. Nous obligés de planter piquette, nous, qui pas trop bon pour nous psychologiquement, qui pas trop bon pour nous, parce que et si toute préparation nous était faite pour la caille, nous pensons que le tapon, l'autre bagaille tout qui frappe nous tout, pas oublier tout, et toute préparation qu'a faite, nous pas de championnat la caille, nous. Aucun championnat, quitte ses première division, quitte ses deuxième division, quitte ses dans catégorie bon côté mesdames, quitte ses bon côté messieurs, tout bagaille bloqué, donc l'un a fait, l'un nous pas jouer comme ça, nous obligés à chercher. Green jouer tout côté, même si jouer à pas en jambe, même si jouer à pas de football, nous obligés de répondre. Donc, je pense que tout le bagage est capable toujours, synonyme ou bien provoquer défaite ou bien une faiblesse la caille sélection nouée de Fébritus. Effectivement, dans tous les cas là, et c'est comme ça qu'il y a dans ce jeu là, c'est tout le bagage est dans la République dominicaine, et puis c'est là dans mon pays là, et bagage négatif a passé là-dedans. Et bandit qui contre le pays, hein, il n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas, là, l'autre pays a pas réussi à prendre force sur nous. Bon, et en tout cas, là, docteur Abner Logicien, nous parlons là et pour nous observer une pause. Après posant, quand nous parlons là pour nous parler de formation à l'étranger, surtout championnat européen, là. Et nous parlons pour nous faire poser, docteur, et puis donc, nous parlons pour nous retourner. Donc. Nous prenons le proposant, mais nous avons tout dit fanatique et
partager, commenter, puis bye love là, bye costa ou bien et like page nous, hein, parce que nous besoin ça pour capable l'autre monde capable ouais sport attendez sport, mais nous gain des bonnes informations que nous pral bay, nous pral parler des marchés transferts précisément. Et Rudiger, jeune Allemand de 29 ans, qui a possibilité pour le venir dans la Espagne. Nous pouvons parler de une possibilité parce que mon ami, tu sais, nous avons toute information, possibilité pour FIFA d'éliminer Équateur dans le mondial là. Nous pouvons parler tout des matchs Brésil-Argentine qui était éliminé le 5 septembre qui sont passés là, qui pourra jouer dans la cour Australie. Nous pouvons parler de plateau. Nous avons pile bagaille que nous pouvons parler en pile information, sur Argentine, Brésil, en Amérique du Sud, total, marché des transferts, contrat Vinicius. Est-ce que Vinicius pourra le renouveler? Est-ce que Real Madrid a quitté l'autre équipe fait sur doux sous Vinicius? En pile bagaille pour parler, je pense que les gens qui pas partager live là, partager li, by love là pour l'autre monde capable de tendre, c'est lui d'une TV parce que force nous, c'est information de GBT. Et les gens qui partagent plus à l'aime, là, il y a un minute sous téléphone et pas oublier de avec notamment de l'été lycée, Bécry de Pégoti, du côté de Miami, il y en a 193, 103, dans le deuxième avenue Miami, Garden, Florida, 33 169. Téléphone est capable de contacter dans 786 716 78 28 ou bien on est capable de composer 786 716 82 56. Et puis donc, pas oublier de avec notamment de Gift of God, Guest House, un appartement dans la Coca Haïtien, ou même qui peut pas son séjour, ou bien vous avez fait fête. Ou allez faire baptême, communion, mariage, ou pas de problème, aucun espace. Ou capable de checker avec des gifts of God Guest House and Apartment. Du côté de Vaudreuil, Real Max Ferrer, téléphone 4422-1800, bien ou capable de composer et 36-68-14-74. N'apprenons tout de suite, mesdames et messieurs, pour l'aide à l'espace du sport réel. N'apprenons tout de suite. TapTap Now is a mobile app that allows users to locate Haitian restaurants anywhere in the world. Quel que soit côté où y est dans le monde, si vous cherchez un restaurant haïtien, montez sur TapTap Now. Que vous soyez à Paris, London, Inch, Jacmel, Hawaii, Toronto, Guadeloupe, Chili, Atlanta, Saint-Louis du Nord, nous là pour. For the restaurants in the U.S. and Canada, we offer a takeout option. Please contact us for more details. For Haitian food anywhere in the world, don't forget to tap tap now. Assurance santé, nous mettez santé as numéro 1. Tout au cours de la, nous là pour nous servir. Affaires assurance santé, assurance vie, taxes, une seule compagnie. Dans la PDO, apprenez votre bon assurance santé. Dans gros compagnie comme vous, Embedder, Oscar, Act, Bright Health. Côté qu'on a un docteur gratis, côté que n'importe qui soit santé que besoin, vous êtes capable de venir gratis. Bon prix, un seul numéro pour servir 954-909-5123, 954-909-5123. Macron, c'est compagnie pas.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après posant, Pablo Assive, émission Power, et même qui c'est sport réel. Dans le point, c'est nos Print TV, nous avons Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram. Donc, maintenant, pour nous retrouver dans l'espace-là, les mêmes, qui c'est sport réel, à côté de nous, ensemble avec notre docteur Abnel Augustin, et depuis le pays argentin. Nous sommes capables de continuer à partager la vidéo, nous sommes capables d'inviter des amis de fatigue. Pour qu'on puisse suivre l'émission, c'est là, et même qui partage l'émission plus, a bien recharge sur le téléphone. Et donc, l'émission lui-même, on a essayé là, et pour être capable d'aller vite, puisque et nous avons fini en forme à 100%, mais en quelque sorte, nous faisons effort, et pour être présent, pour être capable de servir et fatigué. Donc, très rapidement, nous avons là, et nous avons l'équipe Manchester United là, les mêmes, il y a un nouveau entraîneur là, et pour la saison qui a venu à lui-même, qui c'est Eric Ten Hag, et monsieur lui-même, et qui parle là pour diriger l'équipe Manchester United là, Eric Ten Hag, monsieur lui-même, qui c'est nouveau entraîneur équipe Manchester United là, côté Manchester United lui-même, il a publié sur le site officiel là, côté Abguien, et Néerlandais lui-même, Eric Ten Hag, qui s'est entraîné équipe Ajax Amsterdam là lui-même dans fin saison là l'a quitté équipe Ajax en lui-même pour entraîner équipe Manchester United là lui-même c'est l'officiel néerlandais lui-même qui a 52 ans Eric Ten Hag c'est nouveau entraîné équipe Manchester United selon information confirmée par Manchester United à travers un tweet qui a été posté sur le site officiel club là lui-même équipe Ajax là lui-même dans l'équipe qui et là, je suis là, monsieur lui-même, vraiment là, et qui a abandonné là, lui-même, qui parle là pour faire adieu là. Et bon, nous connaissons l'équipe Manchester United là, lui-même, qui a un peu parlé qui t'a fait. Est-ce que Zidane, t'as pas le point équipe ça, ou bien est-ce que Unai Emery, t'as pas le point équipe ça, ou bien Mauricio Pochettino, ou bien Roberto Mancini, ou bien Massimiliano Allegri. Finalement, c'est Néerlandais lui-même qui parle là pour gagner équipe ça. Et docteur Abnel Augustin. Oh, marché transfert, on est que marché transfert commence bon, même parce que monsieur Sarou et Eric Ten Hag, parce que monsieur pour un nouveau entraîneur et Manchester United, bon, monsieur, et c'est un coup de guide, on l'a fait jusqu'à 2025, il parle qu'il est tête et entre, il parle qu'il est tête et équipe en Manchester United là. Donc, Manchester United passe tellement par des bons résultats et pour saison sont capables, ouais, élimination Manchester United face à Atlético Madrid et classement côté que Manchester United trouve actuellement là et dans première ligue là, donc et par position Manchester United ça, parce que son équipe qui toujours gourmet pour titre, c'est une équipe qui toujours appelée à la Ligue des Champions, donc je pense que arriver et pense que c'est pas un mauvais choix, tout simplement parce que monsieur son entraîneur des noms, son entraîneur d'exit en européen, et Manchester United. Mais donc, est-ce que nous n'avons pas de l'équipe Manchester United là en sixième position, mais est-ce que nous sommes capables de dire c'est un entraîneur qui parle pour l'équipe bien, Dr. Abnel Augustin? Donc, et pas, normalement, et c'est pas un entraîneur qui est pas entraîneur qui fait l'équipe là gagner, parce que c'est entraîneur qui met l'équipe là, c'est entraîneur, mais tout simplement, entraîneur a toujours besoin et jouer pour le capable de jouer compétition. Et donc, c'est entraîneur à l'allerie de l'équipe là qui pourra le faire des qui pourra le porter carrière, qui pourra le dire, mais ça a besoin. Mais mon place ou pas là, donc c'est ça que fait. C'est si entraîneur parfait appel avec joueur, et il pas rangé effectivement, ou capable pour exemple et Ancelotti, donc et vraiment, il est venu dans le Real, il pas fait des grands achats, plus ou moins, lui-même, il est venu pour un effectif, et lui-même, ou capable de c'est Ancelotti, même qui est arrivé avec des jeunes joueurs, des Vinicius, des Rodrigo, Valverde, c'est monsieur qui sont
sensé faire jouer ça, faire jouer yo, jouer saison, faire jouer joindre mentalement, psychologiquement récupérer jouer yo, mais réalité effectif qui t'a dormi. Donc différent avec Manchester United qui a des joueurs âgés, on a bien joué qui âgé ça yo de 35 40 ans qui jouer football, ou pas besoin des jeunes joueurs. Et on parle des défenseurs parce que Manchester a besoin de ça, des mi-temps terrain, et au bon Cristiano là. Donc, j'en ai joué ça, on parle besoin tout pour prendre décision avec lui, pour prendre même tout pour prendre décision avec Messia, pour qu'on ait qui ça va faire avec jouer ça. On pense que entraîneur, ce n'est pas lui, mais entraîneur, c'est lui-même qui met l'équipe là, et c'est lui-même qui peut faire des maintenant. L'équipe perdue, c'est son nom, il est perdu. L'équipe est on peut se féliciter de jouer, mais entraîneur, c'est parti primordial, c'est parti moteur, yon équipe football de Jebouitis. Non, effectivement, mais nous parlons le temps de ben, yon équipe Manchester United, l'équipe ça là, et yon temps là, et que yon pas capable de gagner. Et nous songe que la dernière fois que l'équipe Manchester allait même, yon remporté le championnat ça allait même, mais si même pas fait un défaut. C'était 2013, après que victoire qui a été faite devant l'équipe Aston Villa. Mais à l'époque, nous avons gagné Écossais, et qui était dans la tête d'équipe ça, et Alex Ferguson. Yeah, voilà. Alex Ferguson, c'est lui-même qui a à l'époque qui a dirigé l'équipe Manchester United dans lui-même. Et depuis lors, Manchester lui-même, c'est bataille à bataille là, puis ouais. Et c'est capable de faire Ligue des Champions et ouais, bataille à lui-même, mais aussi tout venir jouer à Chelsea, ou bien Liverpool, ou bien Manchester City, lui-même vraiment qui a dominé le championnat, ça, doit être Abner Logisien depuis là. Exactement, exactement. Je pense que le parler était pour nous suivre, et M. Eric Ten Hag, et pour nous, qui ça que avec contrat au bail là, avec ça, les monsieur, avec palmarès et d'été hollandais. Donc, nous parlons de pour nous, qui ça, monsieur, par le côté, parce que Ajax pas monté, c'est United. Donc, et la Hollande, et pas Angleterre. Donc, nous pensons que monsieur Gampil Bagay, non, maintenant, et pour l'honneur et chapeau, ça a eu mis dans la tête comme entraîneur. Et nous pensons que monsieur est très content, en pile d'émotion. Donc, et entraîner Manchester United, nous pensons que c'est une grande affaire, c'est une accomplissement de palmarès, monsieur Eric et de Jebouitis. Effectivement, parce que ça a été fait un peu de temps et que tu as parlé de monsieur, et finalement, et pas rien maintenant ça, et surtout, et avec Eric Ten Hag, monsieur font super travail avec l'équipe Ajax, et avec des joueurs extraordinaires, et il y a un Franky De Jong qui est passé en bas, mais il y a un jeune homme, Franky De Jong, et il y a tout Martin Delay. Et qui a joué dans le pays d'Italie et tout, qui était passé dans Juventus, qui était passé dans mes entraîneurs. Et finalement, et pas un entraîneur qui peut avoir un job Real, Manchester United, Barcelone, et au Ben Bayern, pour refuser et donc terminer le guichet. Non, je pense que bon, monsieur fait cobla parce que monsieur fait un cobla contre monsieur pour 2025. Monsieur gagne 3,3 millions de livres sterling pour année. Je pense que l'euro va aller comme ça, l'homme est-il en euros. Monsieur gagne 3,9 millions d'euros pour jusqu'à 2025. Je pense que faut que monsieur pas arriver et couper contre lui. Il faut que lui pas résultat. Résultat pas été fondamental de effectif que monsieur va gagner en même. Il est supposé faire appel. Et proposer des joueurs et des places et très éligibles avec Manchester United pour être capable de gagner un très bon effectif dans le monde pour être capable d'aider Manchester et compris Revli qui s'est arrivé à remplir le temps et arriver à remporter la Ligue des Champions, arriver à remporter la première Ligue de Jebouitis. Effectivement, Dr. Abner Logisien nous parle return. Et pour nous connaître vraiment et comment ça va aller, qui ça monsieur ne sait pas le faire. Et effectivement, les Balgains peuvent venir avec des renforts en tant qu'il ça. Et parfois, on tenait là, toujours qu'il y a des jeux dans la tête. Là. Ma pointe, je suis là, ma main est un jeu avec moi qui est capable d'aider. Vraiment. Et bah, je ne sais pas, dès que tu es amené. Exactement, exactement, exactement. Parce qu'il me saute tous encore, Et pays-bas par Angleterre. Ou bien, Ajax, vraiment, je prends
deux titres en première division avec Ajax Amsterdam. Nous prenons des coupes avec Ajax Amsterdam dans le pays de la Hollande. Nous prenons une super coupe dans le pays de la Hollande. Pensez que par mal est-ce pour la Hollande, pas mauvais du tout, mais en Angleterre, c'est un autre crayon, l'autre arrivé face à Manchester City dans le face ou bien des adversaires pour monter cadeau sur le ou bien toute Chelsea, ou bien en pile équipe, donc ou bien Nîmes, ou bien toute équipe ça, pour pas lui face à avec eux. C'est pas même déjà avec Pays-Bas, je pense, et faut que je mette monter pantalon lit, monter quand son lit, pour le faire appel, pour faire réquisition à des bons joueurs, des joueurs clés, dans différentes places et en dans l'équipe Manchester United de Djibouti. Effectivement, et nous avons là tout, je nomme Woudigué à nous. Nous avons tout enchaîné avec Woudigué. Woudigué là, il semble que Real Gaba fait un coup de guide dans ce bassin la nuit là. comme nous t'ai annoncé Woudigué. Donc, j'en ai dit, je pensais, l'équipe qui a joué compétition, l'équipe qui arrive dans la Ligue des Champions, l'équipe qui a bâillé résultat, ça permet que les joueurs ont toujours envie de rester l'équipe. Parce que, au capable, on y a là, tout pas l'empire, dans Paris Saint-Germain dit, il y a lavé l'équipe ça. Et l'équipe Paris Saint-Germain a sa cabine, il y a lavé l'équipe là parce que l'équipe ça son équipe et ils ont estimé, ils ont fait tout ça, ils ont essayé en pile achat, faire Neymar rentrer, presque faire l'équipe là, d'ailleurs l'équipe Argentine-Brésil, donc vous capable des Sud-Américains, faire Messi rentrer, ils ont l'équipe qui plein parler d'est, tout le monde ça y a, donc avec accompagné le grand Mbappé, donc et pas qu'à des résultats, pas qu'à des Ligue des Champions, donc et ils ont prévu avant l'équipe ça, et de même gens tout, ils ont prévu avant un pile mon aller, on dit que ils ont prévu tout Argentin qui l'équipe ça, on dit, et saison capine mon cher, pas Argentin, et un seul Argentin est capable de en deux équipes. Dans l'équipe Saoui, Paris, c'est Lionel Messi qui a analysé pour le contrat, monsieur, parce qu'il a refait, il prévoit refaire l'équipe Paris. De même, qui s'est passé parce que Paris n'a pas été Ligue des Champions. De pour pas arriver, c'est Ligue des Champions qui fait plus valeur, parce que Ligue des Champions sont mondiales en Europe. Donc, si on n'a pas capable de vivre loin, et je vois toujours envie d'aller. Donc, on va pour Real qu'on y a là. Si on regarde tout le monde, de Real, tout le monde c'est Benzema, tout le monde c'est Vinicius, tout le monde c'est Carvajal, tout le monde c'est Militao, c'est parce que Real nous met déjà remporté Santander en Espagne, champion espagnol là. Donc, et puis tout, Real placé, nan, pas mal placé dans la demi-finale Ligue des Champions et ça fait valeur. Yo. Et Rudiger, qui s'est passé, monsieur, là, après élimination Chelsea face à Real Madrid, donc il toujours, ça a toujours fait histoire. Équipe qui élimine l'équipe Saro, joueur toujours plus envie, ça fait histoire même. Et j'ai toujours envie de retourner l'équipe Saro, venir jouer l'équipe Saro et faire valeur. Ou yo, comment même, entre équipe Saro même, en parlant de Real Madrid, toute vision, puisque éliminer Chelsea dans une condition, tout le monde dans qui condition et Real Madrid éliminer Chelsea. Et puis tout, on dit tout, c'est monsieur qui était plus problème pour Real Madrid. Real Madrid gagne un effectif pas mal du tout, mais Real Madrid gagne un problème défenseur. En plus, le monde n'est pas d'accord avec moi, l'aime dit Real Madrid. Il y a un problème défenseur parce qu'il y a un peu de temps. Ça va imaginer ça, mon cher. Exactement, parce que moun ki konn football, moun ka gade football, ki tout ta fanatik Real, ki tout ta fanatik Milan, c'est ki tout ta fanatik Barcelone, faut souvent analyser des analyses profondes et bien détaillées, faut que Real Madrid c'est une équipe qui fait un pile remontada, qui remonte en pile dans trois matchs, c'est parce que c'est problème de défense. Donc, pour besoin, ça a toujours sauté de sa lame, sauté de l'Europe de ça en commençant l'émission. Une équipe qu'on a là, on suppose gagner une bonne défense, une bonne ligne d'attaque, depuis attaque ou bonne défense. Ou bon, parce que en plusieurs reprises, c'est attaquant qui sauve Real Madrid. Donc, Real Madrid a un problème défenseur. Pour qui ça, Real Madrid a un problème défenseur, là, on fait analyse pour goal que quantité de goal Real Madrid prend et ou capable ou tout problème Real manquer un défenseur de haute taille, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est capable de sauter.
C'est un espace libre défense Real Madrid là. On fait des boulevards. Exactement. Son boulevard qui pourrait entrer dans Real là et pour qui ça pas rien jouer tout gol Real pour sous ta analyse tous ces gols tête puis fond ces gols tête qu'on capable face à Chelsea c'est un désastre et quand c'était gol qualité gol route qui manquait des gol de first class nous pensait un défenseur de haute taille de grande altitude là tant qu'au Rudiger et monsieur destination pas mauvaise du tout pour équipe Real Madrid là n'a pas été tant mais nous connaît que c'est Barcelone lui-même qui était donc intéressé à Rudiger et Rudiger lui-même qui est dirigeant Real là avec agent Michel là international allemand vraiment là et puis c'est Michel dans fait contre aller là. Et pourquoi il n'y a rien qui dit, est-ce que vraiment là, mais c'est prolongé ou il n'est pas prolongé, mais Real, et pour le plus gros problème qui vient dans l'équipe Chelsea, à cause de Roman Abramovich, et nous connaissons tout problème, il n'y a pas de vendre, il y a plus de restrictions, le gouvernement et britannique l'a mis sous Roman Abramovich, nous ne connaissons vraiment comment ça va tomber. Et docteur Abner Ogive, et à temps pour ta vanne, et allons, bonne et j'aime de là, c'est Barcelone qui, dans le premier temps, qui était donc intéressé à mes problèmes là, lui-même. Barcelone, pas rien l'argent. Barcelone, pas rien coq, pas rien liquide. Docteur Abner. Je pensais que l'on fait analyse Real Madrid avec Barcelone, parce que Antonio. Rudiger, je pensais, et un jeune, je ne sais pas, pour l'âge, monsieur, tout ne pas mettre monsieur comme un défenseur jeune, parce que monsieur a 29 ans. Avec 29 ans, monsieur, je pensais que monsieur pas réellement, il n'y a pas monsieur, un contrat 6 ans avec ni 5 ans, monsieur pas un contrat 2 ans en un 2 à 3 ans, et je pensais que Real Madrid a fait ce pi bien. Et que Barcelone n'est pas pour l'on fait analyse et nous, côté que monsieur plus facile jouer dans Real Madrid, Léo prend l'OTA pour mariage entre monsieur avec Alaba, avec Militao, avec Carvajal. Je pense que une défense comme ça, pas mal du tout pour Real Madrid, c'est qu'il est capable de faire un mariage entre Antonio Rudiger et puis avec Alaba, ou capable de faire Militao avant son petit peu à droite et puis tout centré Alaba et Carvajal était dans latéral là. Ben c'est ça fait Real Madrid bien parce que Real Madrid n'a tous encore tout problème Real Madrid pour saison 1 et Real Madrid est mis en terrain et qui tout fait une rotation avec Valverde ou mettre là avec Modric ou bien faut mariage entre Casemiro même si monsieur ça rentre dans là avec Modric. Et mis en terrain pas mal du tout. L'autre attaque Real Madrid là, qui tout fait là avec, ou mettez Asensio, puis on fait là avec Rodrigo, ou fait là avec Benzema, Vinicius, attaque Real Madrid là, très solide, pas de défaut, pas de menti dans ça. Et Thibaut Courtois, c'est un monstre en bas de Real Madrid là. C'est défense Real Madrid, juste besoin, un bon défenseur. Capable de faire équipe là et des Djiboutis. Non, en tout cas là, elle n'a prêté pour nous temps et si tu veux te dire là, nous t'as parlé des dossiers en fait et c'est ça, et normalement les amis, continuez à partager vidéo, et monde qui partage vidéo à plus, et il y a bien Richard sur téléphone. Et bon, et pendant que nous tous dans le dossier en fait, puis c'est là, et nous te dit, puis il y a plus de dossiers en fait qui a parlé là, et a parlé de Robert Lewandowski. Ben loin de aussi lui-même, qui n'est pas voulu rester dans l'équipe. Ben non, monsieur Brésil, allons de l'autre côté. Monsieur qui était donc intéressé, notamment à l'équipe FC Barcelona. Mais selon les paroles qui viennent là, Ben lui-même, c'est l'argent, Ben besoin liquide. Barcelona lui-même, c'est un joueur qu'il voulait faire. Plus capable de faire et plus capable de rétablir un échange en termes de Jordi Alba, du Saint-Denis. Je ne peux plus parler, mais Bayern lui-même, c'est liquide. Bayern besoin.
Docteur Abner Logisien, ça complique les tâches là. Pour l'équipe de Barcelone, pour l'étarien service, Robert Lewandowski. Et puisque Robert Lewandowski, pas d'en fait contrat. Il y a un année contrat encore qui était. Il est sous contrat. Il va avoir un contrat comme ça, Docteur Abner Logisien. Bon, et Lewandowski, je pense que, et j'en dis là, et pour l'âge, monsieur, et pas, il pas qu'à. Mais pendant. Excusez-moi. Vous mettez à ma change de position là. Oui, c'est ça. Et moi, pendant qu'il a parlé de Robert Lewandowski, monsieur lui-même. Et sauf c'est sous le don européen, puis c'est là, mais c'est marqué plus gaulé là. Donc, Robert Lewandowski lui-même, qui a joué en dans l'équipe et Bayern Munich là, Robert Lewandowski lui-même marqué 32 goals. La finalise et Robert Lewandowski, monsieur, vraiment, monsieur, pour l'âge, monsieur, avec 33 ans, et en temps, monsieur fait un pile, monsieur fait des grandes choses en équipe Bayern Munich, non? Et, mais pour l'âge, monsieur, tout, je pensais qu'une équipe tant pour Barcelone, tu as cherché, construire une équipe, je pensais que place, monsieur, au capable de mettre, sous bien joué, j'en ai joué, c'est au capable de mettre en dans l'équipe, ou expérience tant pour Luka Modric. L'on prend et course, ou prend joueur capable d'étendre l'équipe, mais fait transfert vinant dans une équipe pour Barcelone, parce que la souche dans Barcelone et Xavi besoin d'un bon buteur, mais c'est un jeune buteur que yon Mbappé, yon Haaland, pense qu'il a fait Barcelone bien. L'on prend jouer ça, ou venir mettre avec Daniel Alves, jouer qui est un abagé, pense. Faut que Barcelone quitte le système après un joueur qui Mais problème là, lui-même, docteur Abner, c'est ma question, c'est Barcelone qui a. Bon, ok. Et il y a des bouts de collier de voyage, en tout cas. Attention, bouts de collier de voyage. Si que vous avez l'argent, vous cachez son besoin. On va dans gratter tête. Mettez vous baguette là, hein. C'est pièce en pièce. Et laisse à la sable, ça au tas de gagner là, on va pas rien. C'est réalité, hein. Donc, puisque Barcelone, pas gagner l'argent. Puisque Barcelone, pas gagner l'argent là. Pas grand chose, Barcelone n'a pas fait. Par exemple, il y a un joueur qui n'a pas fait un contrat. Le joueur lui-même t'a décidé si t'as un ami. Et il t'a venu dans Barcelone. L'a venu, mais depuis que je suis sous contrat. Et Claude Libéral, il faut les balayer. Il faut une négociation faite. Faut dire, Exactement. Et bon, c'est ça, c'est salé parce que tout. Et on a pas pour fanatique arriver comprendre tout et Barcelone non seulement Barcelone pas gain compte parce que non seulement ça tout Barcelone pas sorti avec type pour saison là presque parce que chaque l'ob jouer Ligue des Champions chaque étape où passe ou gain des millions d'euros l'ob passe quart de finale ou bon quantité compte et même avec le mondial et tout Ligue des Champions donc chaque temps où fait l'ob passe quart de finale ou passe phase de groupe l'ob prend dans mondial le bon quantité compte FIFA bon quantité compte chaque phase où passe dans mondial là jusqu'où il vient en finale ou bon quantité compte bon quantité millions qui augmente donc et Barcelone non seulement Barcelone pas lever titre et Barcelone tout Barcelone pas gain recrutement Barcelone Barcelone pas qu'à faire recrutement parce que tout le monde connaît qui crise Barcelone bien surtout après départ et Lionel Messi avec Rive Laporte avec changement entraîneur etc Barcelone souhaite qui en crise donc et je pense que et Xavi quand même s'il va faire il pas qu'à prendre des titres pour saison ça mais il fait grand côté le prend Barcelone monsieur mérite chapeau tout et Xavi gain un objectif faire Barcelone une obligation pour faire Barcelone acheter joueurs acheter grand monde 35 36 ans mais faire arriver des jeunes joueurs qui capables contribuer pour Barcelone capable retourner un Barcelone 2018 2014 2011 2000 et 2016 et déjà 2010. Dans tous les cas, il faut que Barcelone en bonne santé, il faut que Vett, il faut que Green, il faut que Zeb. Attends, Zeb là-bas, là, ouais, tout ça va dire là, donc, notre marine. Attention. Bon, dans tous les cas, il n'a pas été pour longtemps, mais
Et l'autre, point que nous avons avancé dans le thème des dossiers, en fait, mais il y a une grosse bataille là, dans la France, et surtout, en parlant de Mauricio Pochettino, il faut se pousser de Mauricio Pochettino dehors, et puis il y a une bataille évidente. Et nous avons pris là, c'est une grosse bataille, en fin de saison, nous ne connaissons pas ce que Katario là pour aller. Vous voyez, M. Pochettino, allez, docteur Abner. Exactement. Déjà, Boutis, et nouvelle, ça, c'est une nouvelle capable de confirmer vous, parce qu'on connaît, ici en Argentine, puisque en France, plus précisément Paris, Paris Saint-Germain, on est capable de voir la trier sud-américain, plus précisément des Argentins. Ou gen Paredes, ou gen Icardi, ou gen Di Maria, ou gen Lionel Messi, ou gen entraîneur qui c'est Diego Pochettino. Donc qui ça est objectif Paris Saint-Germain ou Zidane capable venir faut que vous voyez Pochettino aller. Une fois que vous voyez Pochettino aller, donc Paredes que t'as cherché dans pile l'équipe qui t'as cherché Paredes pour le toucher, quand même c'est pour mis dans terrain de non. Tant qu'on montre, tant qu'on décale de son consommé, mais quand même, c'est une potentialité par les dents. Donc, en pile, et Gensuetou qui t'a fait sous lit, en Italie, Juventus qui t'a fait Gensuetou sous lit, en Angleterre, grand pile Gensuetou qui a fait parce que Paris Saint-Germain dit que, et ouais, dans le fort, il y a tout Argentin qui aller en parlant de Di Maria et Icardi avec Paredes, donc entraîner à tous, si je vois pas aller, je pense qu'il y a pour une chaleur, parce que Zidane, pour Zidane Vini, c'est une raison qui est capable de faire Mbappé dans l'équipe là, c'est arriver Zidane en dans l'équipe PSG, parce que il arrive en dans l'équipe PSG, pour te dire non seulement monsieur manque, monsieur pas de résultat, mais tout, il y a une légèreté dans l'équipe, ça, ou capable de malgré des fois, ou capable moi qui se passe là, ou tout, Neymar vient en entraînement, il n'est pas qu'entraîné, monsieur senti clair, monsieur sauté en fait, monsieur sauté en fait, il vient tout sous. Neymar attaque les journalistes autour de là, et on dit, il dit, ah mais quand je fais à la fée, c'est ce qui va faire. Non, pas de gémenti dans ça, parce que moi, je dis ça, en dehors de Paris Saint-Germain, même manger, jouer ou manger, et ici en Argentine, tous les journalistes qui ont ça, parce que tous les journalistes sont connectés, pas oublier, et en France, et tout, plus que 4 joueurs qui ont joué en dans l'équipe française, en dans PSG, tous les 4 joueurs ça ont joué en dans sélection. Donc en Argentine, il y a un pile de joueurs qui fixaient sur PSG, côté Messi, pas oublier Messi en équipe, mais en tout cas, nous n'avons pas de capacité, nous n'avons manqué de caractère pour diriger PSG. Donc, pour vedette PSG, vedette mondiale, la capacité en dans l'équipe Paris Saint-Germain, donc, il faut qu'il y ait blanchi en équipe ça, plus précisément, retirer entraîneur et titulaire en équipe PSG en parlant de Pochettino pour capable de faire aider Zidane en équipe là. Et docteur, nous avons Idnel optimiste qui dit que Paris besoin d'un entraîneur qui va retirer Messi, qui va retirer Mbappé, qui va retirer Neymar. Et c'est Jean d'en parler à là et Idnel font bon point passer là. Non, ça, Idnel dit. Donc, nous avons besoin de commenter ça. Nous aimons les gens de mon son bas là, je vais cap commenter ça. Monsieur dit, c'est ça. Et monsieur rejoint même et nous rejoignons monsieur tout dans sa dia. Donc, c'est sacré. Un entraîneur, faut qu'on capable d'entraîner et réellement. Il faut qu'on capable de dire, monsieur, tant que Vinicius, monsieur, je dis à vous proposer. Je dis à nous retirer Benzema. Je dis à c'est une raison. Zidane, c'est un entraîneur qui est un entraîneur de caractère et pas nègre. Et jouer capable ensemble avec lui. Il faut qu'on voit tous les monsieur souterrain. Et chaque Mourinho, c'est des entraîneurs. Les nègres sont souterrains, pas les joueurs qui dirigent, c'est eux qui dirigent les joueurs. Mais l'autre, en cas de Pochettino, ou toujours monsieur lourd. Même les Neymar pas joué dans le match, ils quittent Neymar jouer parce que Neymar c'est un artiste, Neymar c'est un Brésilien, Neymar sont joueurs qui tiennent non. Mais si tout le monde retire, mais si non, football là-bas, comme ça, l'entraîneur,
vous supposez prendre des décisions, quitte jouer à pas content, quitte jouer à content, parce que changement joueur toujours pas content, mais des décisions qui sont capables de porter des résultats positifs en dans l'équipe là de Jebouitis. Mais c'est ça, parce que vous pouvez entraîner qui a pris décision là, il n'y a pas besoin de connaître ce qui est passé là, la décision c'est un entraîneur qui doit prendre. Et même, pour plus gros problème là tout, c'est ces dirigeants et Qatariens là qui problème là. Puisque le moment est passé, l'homme gagne là, tout entraîneur ça a passé là. Emmanuel Pierre Donald, nous salons Pierre Donald, Maurice Lorient, Jacques, nous salons nous, monsieur. Et bien écoute, et là que l'homme est passé, monsieur allait dire que bon Qatariens. Ami, entraîneur vient presser par le contrôle, ça a fait là. Regardez plus d'entraîneurs qui passaient là. Léopoint et Onaye Emery. Léopoint et Thomas Tichel. Et Carlo t'est passé tout. Mais ils n'ont pas arrêté. Et puis donc, les allés, l'autre côté, ils ont fait un résultat. Mon cher, les Britis, je vais jouer un bagage. Parce que le football a suivi longtemps et nous comprenons une partie dans le football. Nous prenons exemple ça, parce que vous capable de prendre exemple. Vous avez un exemple sur capable de prendre l'autre, prend Palmarès Pochettino. Là que vous avez un entraîneur ça, qui vient dans une équipe, et j'en ai un entraîneur ça, il joue dans le mental. Si nous prenons tirer tout, nous avons tiré tout la caille, nous sommes capables de prendre Jean-Jacques parce que c'est ça qui m'a touché. Donc, il y a un problème qui vient dans la sélection haïtienne. Quel problème qu'on est lié? Et pas problème joueur lié. C'est problème entraîneur lié. Parce que joueur qui ça joueur a besoin? Joueur a besoin des entraîneurs de caractère, des entraîneurs joueur entraîneur de mon cher, mais qui dans gymnase pour aller ou pas faire mouvement ça. Et je dis à entraîner à mon cher, je dis à mais qui ça n'a fait, mais qui soutenir n'a fait, mais qui mouvement n'a fait je dis à mais qui ça me prévoit à faire aujourd'hui. Donc, pour tout jouer, dit chapeau. Mais, il est capable de jouer toujours jouer sur vous, tout en couleur, jouer à garder que, ou bien il voit que, ou pas gagner une capacité pour entraîner lui, ça, c'est un gros problème et tout. Donc, il y a un problème sélection haïtienne, on vient là, l'autre, on est passé des grands entraîneurs, ils ont connu jouer là, ils ont un pile temps à jouer. Donc, au final, avec l'entraîneur, nous pas dit que Jean-Jacques pas bon, pas qu'elle dit le pas bon, en tant qu'haïtien, nous pas qu'à dire qu'il pas mérité place pour diriger une sélection, même si c'est pas sélection senior. Donc, on pense que y a un problème qui fait Haïti pas capable de résultat, c'est parce que joueurs n'ont pas de respect. Premièrement, ils n'ont pas de respect des entraîneurs. Puisque ils ont du bon ça, les entraîneurs n'ont pas à vos places là, entraîneurs n'ont pas qu'à prendre des décisions, entraîneurs n'ont pas qu'à faire des changements. Joueurs veulent diriger PSG. Donc, on pense que, et même ça a passé dans PSG tout, PSG, monsieur, on va prendre pour détenir au point 1. Donc, monsieur, tout pas qu'à bah des résultats, manqué fait jouer là avec caractère, et y a une raison aujourd'hui, année qui peut venir ouais par ouais, y a limogé et Pochettino en dans sélection et en dans équipe parisienne, hein, et parce que jouer là faut qu'il fait avec des entraîneurs qui ont caractère, des entraîneurs qui apportent des résultats des Jebouitis. Bon, et ça dit qui tout à fait intéressant, bon, parfois entraîneur tout, donc on entraîne et qui pas vraiment contre ça l'a fait et puis donc ça que elle a fait là et pour la bah monsieur moi gros banane et puis donc on a petit bagage léger avec eux là petit farine hein même là mon après c'est pas ça que ils ont mangé ça va créer un gros problème la première salée et PDG Zé Toussaint de la radio modèle qui bel et bien connecté avec nous. Et PDG Edzel Toussaint, nous saluons. Oui, docteur Abdel Logissé, Jacques Ndabdil Lala, il est vraiment compliqué pour Moïse Pochettino. A pile l'argent est fait et dépensé. Et Fatio la boucle de ticket pour cette saison-là. Et ça qui est obtenu dans lui-même, il n'est pas jeune. Et surtout, il y a un gros problème que les médias ont là. Et surtout, il y a Messi Mbappé dans la zone de mixio. Après match, était une sorte de barrage à tel débat COVID. Non, sanctions levées. Et puis donc, monsieur, toujours pas venu par interview dans un des mixants là. N'est-ce pas? Je suis au boudé, au fâché. Son manque de respect pour le club là et pour faire un ticket. Et donc, il y a bien le guichet.
Ouais, DG British. Et comme c'est sport, n'a fait sport, mais pas oublier, c'est social, n'a fait ton dans l'émission. Et ça nous sommes dit là, l'éclair. L'éclair, depuis que vous dirigez une institution ou chef d'une institution, même si que ou pas en l'air, ou pas président, ou pas directeur général d'institution, nous nous sommes là, faut qu'on montre qu'on a dirigé mon avec bon travail, ou premièrement, pour capable. Il y a une raison qui est capable de faire moun qui en bon la satisfait à répondre avec l'autre. Il faut qu'on gagne une capacité. Il faut qu'on gagne une capacité. Capacité à non seulement faut qu'on gagne un dialogue, mais tout faut qu'on gagne une bonne habilité dans ce qu'on va faire. Il faut qu'on gagne ce qu'on va faire. Qui est un directeur de l'école ou directeur de l'école, si vous professeur yo, qui en bon là, ou vous avez plus de capacité, ou avez plus de connaissances, ou avez plus de principes, ou pas qu'à courir sur vous. Qui est une institution directeur, depuis que ou chef, yon chef par yon jouet, faut ou exercer chef ou a, mais faut ou faire avec habilité, capacité, faut ou vos glas ou a. C'est ça que Nab dit, c'est yon raison, Nab répété ça encore, c'est yon raison qui fait, y'a limogé Pochettino. Pochettino n'est pas yon mauvais entraîneur, monsieur, mais tout simplement, monsieur pas qu'à diriger staff paria, parce que staff paria, 60% c'est son sud-américain qui toujours sous terrain. Mais monsieur tout comme un sud-américain, un entraîneur argentin, je sais pas avec des résultats satisfaisants, et bien entraîneur ça et pas oublier Zidane c'est français lié et Zidane besoin de diriger Paris et Paris français pour français c'est Zidane qui a passé déjà Boutis. Pardon la cala et après pour notre temps madame Vincent c'est pas bien aussi et je ne sais pas voir lui-même, qui c'est sport réel. Nous sommes ensemble avec nous, docteur Abnel Augustin lui-même, depuis Argentine lui-même, qui belle, et bien connecté avec nous là, qui est ensemble avec nous sur panel là. Bon, et docteur Abnel Augustin, nous parlons là et pour nous faire présent, et puis nous parlons là pour nous venir avec la ronde de stade. Et puis c'est non, n'a pas pour finir l'émission hein, avant là puis c'est là nous pas 100% et nous pas 100% n'a essayé ouais, là pour nous faire la ronde des stades et puis nous pas tient bien pour nous capable terminer l'émission puis c'est non, on fait un peu l'effort pour nous venir là pour nous venir présenter l'émission docteur Abnel Augustin. Non, exactement, nous gain pour aller là nous tourner pas oublier que chaque temps avant nous prend pause publicitaire, nous toujours bail grand, mais pas oublier que les fanatiques ont toujours été en bas live là, nous pourrons parler de contrat Vinicius qui supposé 1er novembre 2021 là, contrat monsieur est supposé coûte et Real Madrid prévra monsieur yon quantité quoi pour que monsieur en pile club tout et pas bien Vinicius, tout le monde a aimé Vinicius, yon attaque en consa, tout le monde a aimé Vinicius en de l'équipe et bien Real Madrid prévra son contrat ferme bouche monsieur avec un contrat de 5 à 6 ans pour monsieur capable de rester en de l'équipe là parce que pas bien Real Madrid pas avoir perdu. Et il y a un Brésilien qui est en équipe là, qui est Marcelo, capable de Real Madrid plaît pour Marcelo, retour de l'équipe ça. Et Militao, qui est Casemiro, qui est Rodrigo, qui est Vinicius, parce que pas bon menti, je dis à la Sion, nous capable de parler de Real Madrid dans la Ligue des Champions, demi-finale. Et nous ne pouvons pas dire que c'est grâce à Brésilien 100%, mais Brésilien, c'est un. Brésilien qui est en Real Madrid là, monsieur, ça n'a pas eu de résultat. Ok, c'est là. Positif en Real Madrid là. Et nous avons fait mesdames et messieurs, nous avons tout de suite. Assurance santé, nous mettons santé à numéro 1. Tout au cours de là, nous là pour nous servir. Nous avons fait assurance santé, assurance vie, taxe, nous sommes compagnons. Nous avons fait des affaires aujourd'hui. Bon! Assurance santé, dans gros compagnie comme vous, Embedder, Oscar et Bright Health. Côté que vous avez un docteur gratis, côté que n'importe qui soit santé que besoin, vous capable de venir gratis. Bon prix, un seul numéro pour servir 954-909-5123, 954-909-5123, Macron, c'est compagnie pas. TapTap Now is a mobile app that allows users to locate Haitian restaurants anywhere in the world. Quel que soit côté où il y a dans le monde, si vous cherchez un restaurant haïtien,
montez sur TapTap Now. Que vous êtes à Paris, London, Inch, Jacmel, Hawaii, Toronto, Guadeloupe, Chili, Atlanta, Saint-Louis du Nord, nous l'appelons. For the restaurants in the U.S. and Canada, we offer a takeout option. Please contact us for more details. For Haitian food anywhere in the world, don't forget to tap, tap now. Mesdames et messieurs, pas oublier de suivre l'émission Power en lui-même, qui c'est Sport Réel. Toi, le point, c'est notre Print TV, notre Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Telegram. Nous comptons pour nous, ensemble avec nous, côté nous suivre l'émission Power en lui-même, qui c'est Sport Réel. Nous pouvons saluer l'ingénieur Dagison Pierre, qui a suivi nous depuis Indiana, et qu'on ne fait pas nous. Et Caleb Jefté, nous saluons mon ami et notre symbole. Bon, et docteur Amnel Augustin, il faut que nous finissions vite, puisque nous ne pouvons pas qu'aimer encore. Nous défendons un pile de fois là pour nous avoir présent, mais nous ne pouvons pas qu'aimer pour longtemps. Et donc, nous avons quelques minutes pour venir sur ici, et puis donc pour nous faire la ronde des stades, pour nous avoir terminé l'émission là, puisque nous ne pouvons pas qu'aimer encore. Docteur, et nous avons la Vinci Junior, et je nomme ça. Et contre monsieur la Real, la Folie Real Frangien, et pour Real mettre tout le monde d'accord. Parce que monsieur, c'est une heure à venir, et qui pour Real m'a dit là, docteur Abner Logicien. Et docteur Abner Logicien, sur la doc. Et Pablo va suivre l'émission par les mêmes. Vinicius Junior. Voilà. Vinicius Junior, jeune Brésilien. Ex-Flamengo, âgé de 21 ans seulement. Et ou capable de voir saison que nous souhaitons faire, tout le monde connaît et mauvais moment et calamité, M. Bassan, ben, coach français qui est capable de faire un futur coach et Paris Saint-Germain en parlant de ZZB et Zinedine Zidane. Et monsieur était patienté et toute calamité, monsieur était passé en équipe. Et Real Madrid là donc avec arrivé monsieur et Carlito et Carlo Ancelotti et monsieur Vinicius une confiance extraordinaire qui capable jodi a là qui capable et prendre fort et si on parler m'pas qu'à dire moteur en dans Real Madrid parce que Real Madrid c'est tout le monde qui moteur qui tout prend Casemiro qui tout prend Benzema qui tout prend Asensio tout le monde qui jouait ou capable même si Rodrigo là c'est un particulier surtout dans dernier match Real Madrid Julio donc Vinicius Junior jeune brésilien et 21 ans monsieur dans saison 2021-2022 qui reprend confiance non seulement dans Santander là mais aussi dans la Ligue des Champions, avec pas mal de bonnes assistances, avec des goals, monsieur Manqué, des goals extraordinaires, et dans le match clé, aujourd'hui, à que monsieur Real Madrid, monsieur était en contrat jusqu'à 2021, là, Real Madrid, c'est mon cher, et il faut qu'on parle de Vinicius, parce que quitte nous voulait Alonso, quitte nous voulait Rodiguel, et bien c'est Vinicius Junior qui jouait pas nous, il faut que nous t'aimons dans nous, nous ne pouvons pas courir,
derrière joueur qui part pour nous pour nous pas prolonger contrat Vinicius, eh bien jodia Vinicius gagne probablement Vinicius a prolongé contrat monsieur a gagne contrat dans Meli jusqu'à 2025 donc il a ba monsieur contrat pour 5 ans avec une quantité corps de Jean-Baptiste monsieur après le passé avec une quantité corps par année. Je peux le toucher plus que 500 millions d'euros par année en dans l'équipe Real Madrid. Là, je pense que Vinicius, et ça fait honneur Vinicius. Je après le toucher triplé comme il t'a touché dans la saison qui se passe. Real Madrid triplé comme je suis capable de prêter en dans Real Madrid. Là, parce que Florentino dit Vinicius chez nous, même c'est chouchou nous, ou même c'est que nous, pour compter que là, je dis à la local champion et s'entendait là. Et il faut pas pour nous champions avec vous dans la Ligue des Champions de Vinicius, mais ça m'a fait pour Kembe Sanan, mon cher, ou carré était dans Real Madrid, ou toucher 500 millions par année, trois fois quoi vous pouvez toucher. Et bien, Vinicius dit, moi-même, je me sens content, je me sens toujours en joie. Real Madrid, c'est quelqu'un qui m'a prétendu dans Real Madrid, là, DG Brutus. Nous ne pouvons pas prêter DG Brutus comme nous avons parlé, nous ne pouvons pas arrêter là, trop. Et nous avons parlé, par contre, nous avons une opportunité pour nous capables de faire des titres, pas oublier, nous avons annoncé des titres qui seront secondes ou bonnes. Il faut que nous parlions des Argentine Brésil, là, match qui était suspendu pour raison des problèmes et sanitaires ou bien accomplissement, pas de bon accomplissement non, match pour problème non COVID là, et match qui était suspendu Argentine Brésil. Bien, match ça va le jouer, nous pas prêter, match ça va le jouer le 11 juin qui va venir là. Et dans le pays Australie, pour qui ça dans le pays Australie, sélection brésilienne, et si y a un accord avec Australie qui dit que eh bien, tout match amical ou bien pour vous, capable de venir en Europe ou capable de venir en Australie, mais qui pourcentage va capable de faire ce comme ça. Il y a une raison qui fait que, comme c'est Argentine qui t'apprécie, comme c'est Brésil qui t'apprécie, et sélection argentine, eh bien, je dis, le 11. Le 11 juin qui va venir là, et Brésil va être OK connu avec et avec Argentine, Neymar face à Messi. Et bien, le 1er juin qui va venir là, tout, dans le stadium Mondea, dans le pays d'Italie, Argentine face à Italie, pas oublier, c'est un champion, c'est un Argentine champion Copa América, et Italie champion, champion Coupe d'Europe. C'est deux champions qui peuvent jouer comme nous, vraiment, vrai, ou pas gagner l'Italie dans le mondial, mais lors de l'Argentine-Brésil et lors de l'Argentine-Italie, c'est deux belles matchs qui peuvent gagner. 1er juin, pour gagner Italie face à l'Argentine, le 11 juin, 19h45 dans le pays Australie, 6h45 dans le pays Argentine et 5h45 du matin dans le pays Haïti, pour gagner l'Argentine face le Brésil. Neymar face Lionel Messi dans le pays Australie de Jibouitis. Bon, en tout cas là, on a prêté pour nous attendre, pour nous suivre. Donc, nous sommes contents pour nous gagner. Et nous parlons là pour nous faire la ronde de ça, depuis donc pour nous capable de terminer l'émission. Et donc, c'est toujours un plaisir pour nous gagner sous télévision, les mêmes à l'espace des sports. Non, de Jibouitis, c'est toujours un plaisir pour moi-même. Et pour me capable avec ou pas oublier et télévision c'est télévision pas nous et c'est toujours une belle opportunité les nous capable de porter quelque chose mais pas oublier et Jean nous dit et Mathieu parle pas oublier gain 4 brésiliens gain 4 argentins qui pas jouer dans match ça qui gain sanction par FIFA parce que en parlant de Martinez en parlant de Christian en parlant de Celso, etc. 4 joueurs ça a été une sanction pour 2 matchs, mais c'est ça, on n'a pas joué face à l'équipe Brésil là pour problème, parce que c'est nécessaire que des problèmes, parce qu'on n'a pas rempli avec protocole et pays protocole sanitaire, pays Brésil. Et déjà, Boutis, c'était un plaisir. Nous souhaitons passer une excellente soirée, messieurs, et toutes messieurs et dames qui sont en bas de live. Là, pas oublier, nous pas qu'à fonctionner sans nous-mêmes. Tous les amis Brésil, Chili, États-Unis, etc., etc. Messieurs, excellente soirée à tout le monde. Déjà, British, ciao, ciao. Merci, mes docteurs. Bonne soirée. Allez, ciao. Bonsoir. Mesdames et messieurs, donc, docteur Abner Augustin depuis Argentine, à l'espace des sports.
Réel, nous parlons là et pour nous ouvrir la ronde des stades dans quelques instants, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, pas oublier de suivre l'émission par les mêmes qui se sport réel. Toi, le point, c'est notre print TV, nous à travers Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, et puis donc nous sur Telegram. Et normalement, nous sommes capables de continuer à partager les vidéos, nous sommes capables d'inviter des amis de fatigue pour suivre l'émission, c'est là. Et puis, c'est émission par nous, émission que nous apprécions plus là, les mêmes qui se sport réel. Et nous avons prouvé ça avec l'ingénieur Dagui Saint-Pierre qui est bien connecté avec nous sur Instagram. Là, nous avons un général Laguerre, lui-même qui est bien connecté. Boisville, il y a un soeur qui a suivi nous là. Naïma Tino, lui-même qui est bien connecté. Et bien, petit frère et toutes les amis qui a suivi nous sur Chanel Instagram, lui-même. Nous saluons tout le monde. Mesdames et messieurs, la ronde des stades, puisque les gens qui ont été là, voilà, et nous avons gagné là pour nous finir très tôt là. Et puis, c'est nous pas en forme, nous pas à 100%, mais à quelque sorte nous présents. Et pour nous capables de servir une apprédiction de l'Angleterre. Pour nous avoir un championnat d'Angleterre lui-même, un championnat d'Angleterre lui-même, mais qui est deux équipes qui a goûté là. Et qui c'est donc une équipe. Et un championnat d'Angleterre lui-même, équipe Manchester City avec Liverpool, deux équipes Sayo, bataille d'achever pour qui est Sayo qui parle arriver et gagner championnat en fila. Et si tout nous gagné, une équipe Liverpool lui-même qui était donc arrivé fond victoire, qui était pour un tel classement championnat d'Angleterre. Et nous avons pas gagner là, une équipe Manchester City lui-même hier. La balle reprend et le championnat Baïka n'a même équipe Liverpool. Ils ont équipe, mais ça c'est le même qui débat. Brighton a fait de 3 goals à 0. Riyad Mahrez, Philippe Foden, Bernardo Silva qui est donc arrivé marqué pour équipe City là. Et dans la rencontre Liverpool, et vous avez gagné là, et le Diaz qui était marqué, Mohamed Salah qui est arrivé à doubler, Sadio Mané, et collectivement, vous gardez une équipe Liverpool lui-même qui était tout à fait intéressant, si tout goal. Mohamed Salah a fait à lui-même avec une combinaison de Sadio Mané, et troisième goal là, lui-même, son autre goal qui est tout à fait intéressant, une équipe Liverpool lui-même qui en bonne santé, équipe ça lui-même, vraiment là, qui sous plusieurs chapeaux, mesdames et messieurs. Et qui est capable de faire croire du lui-même, et surtout, Coupio, championnat local, là, et puis donc, Ligue des Champions, équipe Liverpool lui-même, qui a combattu très bien. Mesdames et messieurs, n'a pas appliqué le week-end, ça qui a venu là, à partir de 7h30, Arsenal, Manchester United, Manchester City a préservé l'équipe Watford, Leicester, Aston Villa, Norwich City, Newcastle, Brentford, Tottenham, et puis donc, Abrien, et équipe Chelsea un dimanche a joué avec équipe West Ham là les mêmes côté hier les mêmes équipe Arsenal là les mêmes tape équipe Chelsea hein? Et équipe Arsenal qui était banal déplacement 4 goals à l'équipe Chelsea ça
Les Chelsea les mêmes qu'après, c'est pas équipe qui est West Ham là, Brighton, Southampton, Burnley, Wolverhampton, Liverpool et Everton. Et pour boucler 34e journée ça, la bien équipe Crystal Palace les mêmes qu'après avec les United et nous gagnons là et Pep Guardiola les mêmes, les fait connaître que équipe là les mêmes, la PCW est capable de motiver équipe là les mêmes. Et lui fait connaître que monsieur Badoué a les rêves. Et puis, chaque match, c'est une finale qui est liée. Et si nous arrivons à perdre deux points, équipe, et Liverpool a les mêmes, a tout sacré champion. Et pour Badoué, les mêmes, lui fait connaître que, mais lui fait connaître que deux points de qui nous capables de perdre. Et devant Liverpool, Liverpool les mêmes capables, sacré champion. Et nous capables de voir là, équipe, Liverpool a les mêmes qui mettait. Équipe Manchester City allemande sous pression. C'est en conférence de presse jeudi là et Pep Guardiola lui-même qui fait connaître que et nous pas doré hein, nous pas doré garder derrière, faut que nous continuer à avancer vraiment là pour ne pas faire rien qui est stupide et faut que nous arriver gain juste pour ne pas arriver et gain championnat d'Angleterre. Et n'a pas appelé que classement championnat d'Angleterre lui-même. Et nous avons équipe Manchester City en 77, Liverpool 76, Chelsea 62, et en quatrième, c'est l'équipe Tottenham là, Arsenal qui est en cinquième position avec 57 points, Manchester United qui reconnaît est-ce qu'il y a joué Ligue des Champions ou bien même Europa, puisque il y a en sixième avec 54 points, West Ham qui retrouve en septième avec 52 points. Et trois équipes qui en bas là, les mêmes, c'est Benny, victoire que Benny fait, je dis là, ceux qui sont en train les mêmes, et permettent, tu es capable de respirer là, mesdames et messieurs, il y a 28 prêts, mais nous avons Everton qui est en 16e position avec 29 points, capable là, et une bataille de maintien qui a fait là, et puis donc une bataille pour Ligue des Champions, et puis donc une bataille pour Europa, et puis donc une bataille pour qui équipe qui va gagner. Un championnat à Sila. Passement BTA, c'est Mohamed Salah lui-même avec 22 réalisations. Nous avons quitté le championnat d'Angleterre et pour nous prendre l'autre direction, surtout nous baguions là pour nous le championnat d'Allemagne. Le championnat d'Allemagne là lui-même, équipe Bayern lui-même, équipe à loin pour être capable de gagner le championnat, ça, puisque. Bayern qui est capable de sacrer champion, mesdames et messieurs. Bayern qui est capable de sacrer champion des week-ends qui a venu là, puisque Bayern a 72 points, Dortmund avec 63 points. Et surtout, avec l'équipe Bayern rencontré là, les mêmes relais Dortmund. Et surtout, c'est Bayern qui a pris ses fois. Bayern capable de tout sacrer champion des week-ends des samedi qui a venu là, mesdames et messieurs. Bayern est capable de tout sacrer champion, puisque Bayern va recevoir l'équipe Dortmund. En cas de victoire d'équipe Bayern, lui-même, Bayern a tout sacré champion dans le championnat d'Allemagne de football, qui c'est la Bundesliga. Et pour 31e journée, lui-même, nous avons gagné demain si tu veux là à 2h30, Mayence, à parler de la carrière qui est en Rosbourg, Leipzig, Union Berlin, Renfort, Bayern Leverkusen, Infra Frankfurt, Offenheim. FC Cologne, Amina Belfort, Fribourg, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich, Dortmund. C'est match fort pour 31e journée, ça. Et puis donc, pour boucler, 31e journée, le même dimanche, nous avons gagné Bochum, Augsbourg, et Berlin, Stuttgart. Classement Bayern en tête, 62 points, Dortmund, 63, en troisième, c'est Leipzig, 34 points, et Bayern Leverkusen qui est en quatrième position avec 52 points. Et classement BTA, c'est Robert Lewandowski, monsieur lui-même, avec 32 réalisations, mesdames et messieurs. C'est le meilleur buteur so far et pour le championnat d'Allemagne et sur le vieux et continent. Et nous avons quitté le championnat d'Allemagne pour aller dans le pays la France, pour aller au championnat de France lui-même, le championnat de France lui-même, Paris Saint-Germain lui-même. Et qui pas loin pour capable gagner le championnat, ça, mesdames et messieurs. Et côté nous parlons gagner là de samedi qui a venu là, nous avons gagné Lyon, Montpellier, Saint-Étienne, Monaco, Paris Saint-Germain, après c'est pas l'équipe Lançant.
et Paris Saint a pas arrêté notamment et 4 juillet et Paris Saint-Germain capable tout sacré champion mesdames et messieurs de et samedi qui a venu là Paris les mêmes capable tout sacré et champion on garde là et puisque a pas arrêté 4 juillet 4 fois 3 bon 12 et puisque Paris les mêmes qui gagne 15 points par rapport à l'équipe Marseille Paris Saint-Germain a tout sacré champion de week-end ça, mesdames et messieurs. Lyon-Montpellier, Saint-Etienne-Monaco, Paris Saint-Germain, un dimanche, Rennes-Lorient, Nantes-Bordeaux, Clermont-Angers, Nice 3, Metz, Brest, Lille-Strasbourg, Reims, après voter avec l'équipe Marseille dimanche à partir de 2h45. Et Paris Saint-Germain en tête avec 77 points Marseille. Qui gagne notamment, mesdames et messieurs, 62 points, Rennes en 3e, 56, en 4e, c'est équipe, en Strasbourg lui-même, avec 56 points. Quand son invité, c'est Kylian Mbappé, monsieur lui-même, avec 22 réalisations dans le championnat, ça lui-même, mesdames et messieurs, championnat de France lui-même, Kylian Mbappé lui-même, qui c'est meilleur buteur pour le championnat, ah, c'est là, n'a quitté. Bon, et il a dit que Manchester United pas gagné là pour aller dans Europa League Conference. 3e division. Bon, en tout cas, là, on a prêté pour nous temps, la prédiction de l'Italie, mesdames et messieurs, pour nous voir le championnat d'Italien. Le championnat d'Italie, les mêmes, gros bataille, équipe, était les mêmes, avec notamment. Équipe était avec Milan, c'est les mêmes, son gros bataille qui a fait dans le championnat ça. Mais on a parlé que Inter de Milan, les mêmes qui étaient pour la revanche. Son équipe Milan, c'est allé même dans la Coupe d'Italie, dans la demi-finale retour. Et c'est tout le monde Inter de Milan qui parle avec l'équipe Juventus, même le 11 mai, qui a venu là dans la finale. Ça concerne la finale Coupe d'Italie. Mais le championnat, les mêmes, 34e juillet. Et samedi, on a gagné Venise à 9h à Atalanta Bergame, Torino La Spezia, Inter de Milan AS Rome et la Verona Sampdoria. Dimanche, Salernitana, Fiorentina, Ampolina, Bologne, Udinese, Genoa, Cagliari, on a gagné Lazio de Rome, lui-même, qui a recevoir l'équipe Milan-Séan, Sassuolo, Juventus. On garde la bataille qui vient là, et Milan en tête, 71 points. Inter de Milan avec 69, Inter de Milan les mêmes qui ont un match en retard. Inter de Milan qui ont un match en retard, mesdames et messieurs. Et l'Enga de la classement les mêmes, Milan c'est 71, Inter 69, Naples avec 67, Juventus avec 63 points. Et classement Bitia les mêmes, c'est Siro Immobile. Italien, les mêmes qui a joué en dans l'équipe Lazio de Rome, les mêmes avec 25 réalisations. Et n'a pas quitté notamment le championnat d'Italie pour aller dans ça qui concerne le championnat d'Espagne. Et puisque l'équipe Real, les mêmes, l'équipe là, les mêmes qui sont là pour la gagner le championnat ça. Et puisque l'Enga des championnats d'Espagne, là, je dis en là, était donc était gagné match qui était donc et arrivé jouer c'est une d'avoir gagné c'est Barcelone même qui t'a battu équipe et la Sociedad de la Yongola 0 c'était Pierre-Emerick Aubameyang et qui était donc arrivé marqué l'unique but de la partie et Atlético Bilbao Cadix 3-2 et victoire d'équipe Rayo Vallecano devant l'Espagnol de Barcelone Yongola 0 Levante était tombé devant équipe et c'est Sevilla lui-même, 2-3. Et hier, c'est tout, nous avons gagné Real lui-même, qui était battu. Équipe Osasuna, 3 goals à 1. Et c'est tout, nous avons gagné David Alaba, Marco Asensio et Lucas Vázquez. Mais Karim lui-même, qui était raté plusieurs pénalités, mesdames et messieurs. Et qui t'a fait, il t'a battu à 7,2 goals à 0 et t'a gagné à Madrid, Grenade, lui-même qui avait fait maintenir le 8 battu. Et le week-end, ça, lui-même, mais c'est tout dimanche,
a une équipe, et c'est Barcelone même, à 3h après avec Rayo Vallecano. Et puisque match en retard très important, surtout Barcelone lui-même qui devant match en retard, il y a même qui pourra gagner là, et puis je joue avec Rayo Vallecano dimanche, il a venu à compter de 3h, et puis donc week-end qui va venir là, pour gagner 34e journée. N'a pas rappelé que classement lui-même, Real Madrid qui est en tête, Real Madrid lui-même qui est en tête avec 78 points, FC Barcelone 63, Séville 63, AT Madrid 61 points, et classement habituel lui-même, il domine pas, et Karim Benzema avec 25 réalisations. Mesdames et messieurs, nous parlons là et dans 2 à 3 minutes, nous allons terminer là. Nous parlons là pour nous de la NBA, monsieur. NBA lui-même qui a fait cheminer là, monsieur, qui a pris l'équipe. Vraiment là, qui a pas avancé sur toute l'équipe. Au final, fait un succès là lui-même. Et qui se route là pour être capable d'arriver à faire ce plan lui-même. Il y a un playoff lui-même qui a avancé, surtout l'équipe locale, l'équipe Miami Heat lui-même, qui a dominé l'équipe Atlanta Hawks lui-même, surtout avec un bon Jimmy Butler, monsieur lui-même, dernier match, Miami lui-même, qui était joué avec l'équipe Atlanta lui-même, côté Jimmy Butler lui-même, qui était donc arrivé à scorer, et on a fait de 45 points pour l'équipe Miami Heat. N'a pas oublié que. Et équipe Miami là, vraiment là, qui a dominé Atlanta Hawks de là, dans ce série là. Et nous gagnons notamment équipe Miami Heat là, les mêmes, qui a mené série à 2-0. Et demain, si tu veux là, nous avons une équipe Miami qui a bien pour jouer là, avec l'équipe Atlanta. Et puis donc, il n'y a pas gagné un certain de. Et samedi, il n'a pas gagné en Philadelphie à Capone avec Toronto, puisque Philly lui-même qui a dominé la série à 3-0. Et il y a l'équipe Milwaukee Bucks. Hier soir, lui-même, il était arrivé taille avec l'équipe Chicago lui-même. Il y a une victoire partout. Et puis donc, nous avons gagné l'équipe Boston Celtics lui-même qui a dominé l'équipe Brooklyn Nets 2-0. Et pour conférence de l'Ouest, même, ils ont plus de balance. Hein? Et ils ont là, Phoenix, la meilleure équipe pour cette saison-là. Et ils ont à égalité avec l'équipe New Orleans Pelicans. Ils ont une victoire partout. Et dans demain, si devait, ils ont gagné pour les rencontrer. Et puis donc, ils ont gagné Dallas avec Utah Jazz. Et c'est ça, les mêmes détails. Et puis donc, ils ont match qui a vu là. Ils ont gagné pour une bonne résultat partiel là. Et l'équipe Golden State lui-même qui a dominé l'équipe Denver Nuggets 2-0. Il n'a pas appelé que l'équipe Memphis lui-même Minnesota, il y a une victoire partout. Et surtout que match qui a joué à l'heure actuelle, mesdames et messieurs, la NBA lui-même, il y a NBA lui-même qui a fait petit bonhomme de chemin. Il n'a pas appelé que l'équipe Memphis avec Minnesota, côté Minnesota lui-même, a mené. On fait de 43 à 70 et nous gagnons pour gagner là. Nous gagnons notamment et coup d'envoi comme ça les mêmes dans le premier quart temps. Équipe Dallas avec Utah Jazz, côté Dallas 22, Utah Jazz 16. Et puis à 10h, pour gagner certains de Golden State Denver. Et puis donc dès demain, si tu veux, à partir de 7h, nous avons gagné Miami Heat, Atlanta Hawks. Et à 8h30, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, et n'a pas gagné 9h30, équipe, et Phoenix Suns lui-même qui a rencontré avec New Orleans Pelicans. Mesdames et messieurs, c'est là que nous mettons bout dans l'espace sport réel. Nous sommes contents et pour nous ensemble, malgré que nous n'avons pas à 100%, mais en quelque sorte, nous sommes présents pour nous être capables de nous permettre. Pour suivre l'émission Sport Réel. Nous sommes contents ensemble. Nous espérons que nous retrouvons dimanche prochain. C'est pour demander la vie. Et pour l'autre Sport Réel à partir de 2h pour 5h p.m. Et pas oublier pour contacter nous qui fait 954 822
et 67-51. 954, 822 et 67-51. Merci bien. Allez, bonjour, bonsoir à tout le monde. Retrouvez-nous dimanche. Si vous voulez bon dans la vie, pour un autre sport. Ciao. Allez, bonne soirée à tout le monde.